Bonjour, aujourd'hui donc on va voir une autre vidéo sur Excel. Ici donc on a un tableau avec des ateliers, des noms et des mois et des exemples ici. L'astuce donc correspond donc à lorsque je filtre ici par atelier par exemple maintenance, il n'y a qu'une seule ligne qui apparaît. Ok? Alors si je vais production, une seule ligne qui apparaît. Alors que j'ai ici plusieurs noms qui correspondent à cet atelier. Par contre, dans cette deuxième colonne, lorsque je sélectionne par exemple production, il y a les noms qui apparaissent tous. Approvisionnement par exemple, tous. Lorsque j'apparais achat par exemple et maintenance, il y a tous les alignes, les noms qui apparaissent. Ok? Pour remédier à ceci donc, je vais revenir donc à cette première feuille, là où il y a toujours le même tableau avec une seule colonne et toujours le problème ici, il se pose. Donc, pour remédier à ceci, je vais donc sélectionner cette colonne. Voilà, toute cette colonne ici. Et je vais la remettre ici. Voilà. OK. Je vais donc sélectionner cette colonne toujours. Et je clique par la droite. Fusionner et centrer. OK. Toujours, il est sélectionné. Je vais donc à accueil. Recherche, sélection. Recherche et sélectionner. Atteindre. Et ici, cellule. Cellule vide. Et je clique sur OK. Donc, les cellules vides sont sélectionnées ici. Ou bien, une chose, je vais sélectionner le tout ici. Et je puis sur F5. Cellules, cellules vides. OK. Les cellules vides sont sélectionnées maintenant. J'appuie sur égal. Et j'appuie sur la cellule en haut. Contrôle, par exemple, ici, c'est le cas de... Ici, par exemple, A3. Je sélectionne A2. Et j'appuie sur contrôle et entrée. Voilà, OK. Voilà donc les cellules ici, vides sont remplies par les cellules d'en haut. Je reviens ici, je sélectionne cette colonne, OK, et je vais donc à, ici, reproduire la mise en forme, ou bien je clique par la droite et je choisis reproduire la mise en forme et je clique ici. OK, j'appuie sur échappe. Maintenant, je veux supprimer ceci, c'est fini. Et je reviens ici. Voilà le problème, c'est résolu. Approvisionnement, etc. Maintenance, voilà. OK, je peux prendre par exemple maintenance et achat en même temps. Le problème est résolu. OK, à la prochaine donc.